J'aurais jamais pensé que notre exploration pourrait pousser dans un lieu aussi magique. Regarde-moi, regarde-moi l'état du sapin. Regarde-le. Vous trouvez pas satillant? Vous trouvez pas que tout ça est satillant? Ouais, tu as peut-être raison. Mais apparemment, on est dans le bout de la région. Le bout de la région? Ouais, exactement. D'après ce que j'ai vu dans la carte, on est carrément au bout de la région. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à... Je pense que on est... Je sais pas, moi. À deux doigts de quitter la région? C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on va aller dans un autre partie du monde. Une autre partie du monde est tout rigolo? Ouais. Oh! Trop cool! Attends, je croyais que maintenant le monde des Toons Rigolo était remplacé par la région. Pas forcément. Tu vois, cette partie-là de cette partie-là du monde, c'est la région. Et là, on va bientôt atteindre dans une autre partie de la région. Mais c'est trop cool. Et c'est quel monde? Je sais pas. Personne a voulu faire sa curiosité plus loin. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Pen? Ça va, ça va. C'est juste que, honnêtement, honnêtement, bah quoi? Tu peux nous dire? J'aimerais bien essayer de me donner un peu plus d'importance. À l'époque, j'essaie de tout faire pour donner mon rôle de garder une princesse. De protéger une princesse. Mais au final, j'ai protégé la pire peste du monde. Ça dépend laquelle? La princesse Peach. Ah, ouais, là, c'est vraiment honteux. Oh, Pen, le passé, c'est du passé, tu peux penser à autre chose. Ouais, tu as raison. Faudrait peut-être que j'essaye de chercher mon propre chemin. C'est-à-dire? Pen, ne sois pas ridicule. Tu as ta place dans notre groupe. Ouais, mais normalement, on devait être 6. Et là, on est 7. Bah et alors, l'échelle n'est pas vraiment le plus importante. Du moment qu'on essaie de s'amuser pendant l'aventure, c'est quand même plus important, hein. Et je te rappelle quand même qu'on est essayé de chercher la nouvelle console de Nintendo. Sérieusement, Mario? Non, en vrai, on essaie d'explorer autre lieu pour devenir un peu plus fort et un peu plus redoutable. Tu as raison, mais... Luigi, tu t'es pas demandé qu'on pourrait peut-être essayer atteindre dans une deuxième partie du monde? C'est un peu trop risqué pour le moment, donc le mieux, c'est qu'on essaie de suivre notre route. Ok, d'accord. Mais d'après ce que la carte m'a dit, pour éviter de faire n'importe quoi, on devait prendre 7 chemins. Hey, c'est moi qui devrais le dire. C'est moi qui devrais indiquer le chemin normalement. Tu n'arrêtes pas de dire des tas de fois. Donc au bout d'un moment, t'étonnes pas qu'après pourquoi j'ai pris l'indication à ta place. Pour une fois, il a raison. Bon, allons-y. Paillon. J'espère qu'il y a plein de culottes. Sérieusement, tu peux pas penser à ça? Tu crois franchement être le mieux placé pour dire ça, toi qui n'arrêtes pas de penser qu'à bouffe? Oh, hey, ça va, j'essaie de me changer. Ben, tu viens? Oui, j'arrive. Oui! Je suis Monsieur Tagada. Je suis tout le temps joyeux parce que je suis Tagada. Oui. Oui. Oh, c'est mon monde préféré, tout est scintillant, j'adore. Je fais un petit mauvais tour. Qui a dit ça? Plus un geste. Ah, évidemment. Qu'est-ce que tu es venu faire ici?
Vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance de Tagada. Oui, ça je sais, mais qu'est-ce que tu veux y faire ici, au bout du monde de la région Delta? C'est mon rôle de patrouille. Et sache que moi, Gashmon, police internationale du monde Delta, vous êtes en état d'arrestation. Tu peux tout le rêver. Et pourquoi d'ailleurs? Pour maltraitance de Tagada. Ouais, c'est vrai, j'ai rien fait de mal. Honte sur toi. Ta gueule. Gashmon, tu es toujours là pour gâcher mes plaisirs. Et ça commence à bien faire. Tu es le véritable suspect de tout le monde Delta. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Ma défense? Je sais pas. Ah bah bon, Griffon! Cage éclair! Voilà ce qui arrive si on joue au malin avec la police internationale du monde Delta. Tu es au courant que tu es presque proche du monde de la région? Ouais, ce n'est pas mes oignons. Dommage pour toi, j'ai prévu un baisserie sur moi. Hein? Chouchou! Tu mourras jamais! Ah! Il va entrer dans la région. Ah, c'est contre les règles, surtout qu'il... Ah! Et moi alors? Fais comme si tous ces événements n'avaient jamais pensé. D'accord, tu as raison. Je vais tout recommencer et être faire mon joyeux. Tagda 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 tagda. Salut tout le monde, c'est Waluigi, le méchant le plus beau, le plus charismatique et le plus grand méchant de tous les temps. Alors, vous pouvez m'expliquer c'est quoi le plan? Eh ben c'est très simple, c'est de battre Mario en donnant des gâteaux au chocolat. C'est le truc qui t'étonne le plus. Mais d'abord, je dois faire un prank. Et une fois que Mario sera arrivé, il va avoir de mauvaises surprises. Alors... Vous savez ce que ça veut dire? Alors... Mais ça va pas bien! Toi, monsieur Spider-Man, d'où tu oses me toucher mes fesses? Tu sais très bien qu'ils sont trop sensibles! Sans pas tes fesses, sans tes nichons, c'est presque la même chose! Mais je dis pas rien si j'aime faire les pranks. Quoi? C'est moi qui fais des pranks. Toi, tu fais l'abruti. Non, c'est toi qui fais l'abruti. Non, toi. Oh là là, franchement, tu veux que je batte? Tu veux te battre? Tu veux me battre, c'est ça? Regarde comment je soulève cette repas. Regarde comment je fais. Bande d'abrutis, à quoi vous jouez? Eh, mais ce serait pas l'hippopotamus? Pouf, pouf. Non, je suis une femme parfaite. Tu devrais pas avoir un problème de corps après ce que quelqu'un de très brusque et de très moche t'a fait? Si, mais il a fallu que je prenne une potion de miracle pour tout soigner. Enfin, en tout cas, je dois tout faire pour me venger du monde entier. Ils auront en particulier cette peste qui a osé voler mon nom. Bono! Poussez-vous de là! Wow! C'est qui celui-là? Dites, vous avez vu où est-ce qu'il est? Dans ton cul! Ah, mais... Je te jure! Ah, mais j'ai rien fait, moi! Tu le mérites! J'aime les sardines! J'aime les sardines! Oh!
C'est moi ou tous ces décors, c'est vraiment satillant. Normal, c'est quand même le concept de ce monde, quand même. Ouais, d'après ce que j'en ai entendu, c'est même l'entrée du deuxième monde. Mais le monde dont on parle, c'est quel nom? C'est le monde Delta. Hey, mais tu serais pas Tim? Ah, salut Tim! On t'a pas croisé depuis longtemps. Salut les cocos, comment vous allez? On va très bien, mais... Et vous allez bien? Bah moi, je vais très bien. Ouais, est-ce que tu avais une femme qui porte des culottes? Oh! Comment est-ce que tu fais pour être allé aussi loin en étant pervers dans la tour des effets extrêmes? C'est ridicule. Moi, je mets bien de mon côté. Mais dites-moi, vous avez bien entendu parler du monde Delta? La deuxième partie du monde des tours de rigolo? Ouais. Bon. Eh ben, sache que mon ami, il n'y a pas que la région dans ce monde. Il y a aussi le monde Delta. Et c'est quoi le principe du monde Delta? Vois-tu, mon gars? J'en ai entendu, j'en ai fait un tas de voyages sur le monde Delta. Il y a plein de différences entre la région et le monde Delta. Bon, d'accord, il n'y a pas vraiment de différence, mais disons que la plupart des personnages que vous connaissez, que ce soit pour Pantero ou bien encore d'autres personnages, ils ont des personnalités différentes. Attends, ça voudrait dire qu'il y a deux versions de Pantero? Ouais, exactement. Enfin, sous le même format de peluche, mais pas sur la même personnalité. Waouh! Ça, je ne savais pas, honnêtement. Sachez que le monde Delta est connecté uniquement à la région, mais pas des autres mondes, pour être tout à fait honnête. Comment ça? Parce que, je sais pas pourquoi, mais on peut pas expliquer à ça. Moi-même, je ne sais pas vraiment, pour être tout à fait honnête. Et tu avais bien dit que tu as fait un tas de voyages sur le monde Delta? Ouais, exactement. Exactement. Et sachez qu'aussi, qu'on a aussi des règles très strictes dans la région Delta. Enfin, non, dans le monde Delta. C'est-à-dire, concernant comment être, pas bah, être de n'importe quel job qu'on fait, que ce soit pour être gardien, pour être aventurier, surtout pour être héros. Hein? C'est-à-dire que dans les règlements dans le monde Delta est plus différent auquel vous n'aurez jamais imaginé. Il faudrait faire des exploits. Justement, j'ai jamais été héros. Ah bon? Ouais, justement. J'aurais espéré être... C'est ça ce que j'ai... Articule bien, Ben. Pour être tout à fait honnête, avant, j'avais vraiment souhaité être héros. Mais... J'avais plus vraiment envie. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que du sens où... La fois où j'ai gardé une Princess Peach et trahir mon meilleur ami. C'est à ce moment-là où j'ai compris que je ne mérite pas vraiment le titre de héros. Mais tu as reconnu ton erreur. Je le sais, mais... Je ne pense pas que je mériterais ce genre de titre. Dites, qu'est-ce que tu as fait pour trahir ton meilleur ami? En réalité, mon meilleur ami déteste tellement la Princess Peach qu'il veut lui donner de bonnes leçons, mais la Princess Peach la fasse bannir du monde de la région, mais il a tellement pété un câble qu'il a carrément attaqué tous les gardes de Toad. Moi, j'étais le seul à pouvoir opposer à ça. Et Peach me demande d'utiliser mon capacité ultime pour me débarrasser de mon meilleur ami. Wow. Tu n'avais pas le choix, c'est pas ta faute, c'est parce que tu n'avais pas le choix, tout simplement. Si tu aurais dit non, t'aurais pu avoir des problèmes aussi. Je le sais, honnêtement, je le sais. Mais ton meilleur ami, c'est qui? Honnêtement, je préfère pas vraiment en parler. Honnêtement, je veux pas parler de... Parce que franchement, la fois lorsque j'ai trahi mon meilleur ami, je n'ai plus envie d'en en parler. Waouh. Ça, c'est vraiment triste, honnêtement. Mec, mais en même temps, c'est normal. La Princess Peach, c'est vraiment une vraie garce. Ne t'attends pas, après, pourquoi? C'est pas sur toi qui voudrait t'en vouloir, ce sera la Princess Peach. C'est bien, vrai, mon gars. Mais pourtant, elle est bonne, hein. La Princess Peach de Nintendo, ouais. Mais la Princess Peach de la région, non! Oh, d'accord.
Mais tu souhaites vraiment être héros, mon gars? Je le souhaite. Alors, tout ce que j'ai à te proposer, enterrez l'âge du passé et fais le pas en avant. C'est mon leçon de morale le plus spécial du monde. C'est ce que je vois. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, Tim, de me remonter le moral, honnêtement. Parce que ça fait vraiment du bien de m'exprimer tous mes soucis que j'avais. Je peux totalement comprendre. Et moi, ça fait plaisir de remonter au moral à quelqu'un d'autre. Arrête-toi! Arrête-toi! Hein? Non, nananananare! Eh mais c'est qui ce type? Alors là, si c'est un voyou, alors franchement, je vais lui donner une bonne place. Écrase-face! Un écrase-face, sérieusement? T'as rien de mieux comme idée, franchement? Bah, tu as raison. Ultra laser, édition stylo. Wow! Alors là, ça c'était bien joué, mon gars! Payon! C'est qui ce. Je suis couvert d'encre! Non, mais. Non! Qu'est-ce que. Vous êtes en état d'arrestation, Hitman! C'est pas vrai, toi. Je sais pas qui tu es, mais en tout cas, je vais me le venger tôt ou tard. C'est ça, tu garderas tes salives aux prisons du monde Delta. Non. Je vais activer le téléportation sur toi pour te téléporter vers la cage du monde de la prison du monde Delta. Je me vengerai! Et une bonne chose de faite. Quant à toi, je sais pas qui tu es, mais merci d'avoir traqué ce mec que je n'arrête pas de chercher depuis longtemps. Merci. Depuis longtemps, c'est-à-dire? Ben, j'étais vraiment occupé à plaquer d'autres voyous dans le monde Delta, mais grâce à lui, il m'a arrangé le service. En tout cas, je te dois une fière chandelle. Merci. Mais où est-ce que je suis? Oh, attends, je vais voir la map. Tic. Oh, je suis sorti du monde Delta. Et là, je suis dans la région. Non. Faudrait que je retourne à mon poste principal. Je dois retourner vers le monde Delta pour remplir d'autres objectifs de police. Dis, tu sais qui nous sommes? J'ai pas le temps de parler avec ça. D'accord. Je sais pas qui c'était. Apparemment, il m'a dit que c'était Hitman. Hitman? Ouais. Mais je sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est bizarre. Ce que vous voyez, ce sont des personnages du monde Delta. Ah bon? Ouais. Tous les personnages qui sont dans la région, ils peuvent pas exister dans le monde Delta. Et tous les personnages Delta qui y sont, ne peuvent pas exister dans le monde... Dans le monde de la région. Ah! Je vois bien l'idée. Pourtant, j'ai fait une bonne action, mais c'était pas vraiment grand-chose, honnêtement. Tu veux rire? Tu as plaqué un criminel et le policier t'a reconnu ta valeur. C'est quand même peut-être un bon pas pour devenir héros. Tu as peut-être raison. Bon. Bah, c'est pas tout, mais je vais devoir retourner vers le monde de Delta pour faire quelques petites courses. Attends, Tim. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais partir avec toi. Hein? Pourquoi? Où? Par où? Où est-ce que tu veux en venir par là? Je souhaite partir... pour aller au monde Delta. Quoi? Quoi? Comment ça? Ça te plaît pas que... Non, Marisson. Non. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous.
mais je dois suivre mon propre chemin pour devenir héros. Tu en es vraiment sûr, Pen? Parfaitement sûr, Mario. Et je vais surtout réparer tous les dégâts que j'ai faits avant. Je te l'ai dit, oublie le passé et fais le pas en avant. Justement. C'est peut-être une nouvelle départ pour moi. T'en es vraiment sûr, Pen? Même moi qui suis un casse-cou? T'es vraiment sûr que tu vas pas regretter? Honnêtement, si, honnêtement. J'ai passé un bon moment avec vous. Je sais qu'on a resté pendant quelques mois avec vous. Pareil pour moi. Mais honnêtement, on s'était quand même bien amusé. Marisson, honnêtement, tu es franchement un très bon ami. Mais tu vas me manquer quand même. Pen, honnêtement, tu vas beaucoup me manquer moi aussi. Et je dois quand même t'avouer que je commence à regretter ton départ. Marisson, reste forte. On se reverra un jour ou l'autre. Oh. Oui, Pen. On se reverra un jour ou l'autre. T'en fais pas, mon gars. T'en fais pas, sois fort. Je fais ce que je peux. Pen. Honnêtement, je sais qu'on vient juste à peine de se rencontrer il y a quelques mois, mais toi aussi, tu vas me manquer. T'inquiète pas, mon coco. Tu étais comme eux, un bon ami. Mario. Toi aussi, Kirby. Pen. Surtout, j'espère que tu feras un bon choix et que tu retrouveras ta place. T'inquiète pas, Luigi. T'inquiète pas. Pense à bien nous te nourrir. J'y penserai. J'espère qu'honnêtement, que tu vas te trouver des nouveaux amis et que tu nous oublieras pas. T'inquiète pas, Brooke. C'est pas du tout mon but. Bon. On y va, Pen? Ouais, on y va. C'est quelle route on va prendre? Bon, c'est là-bas. Au revoir, Mario! Au revoir, Marisson! Au revoir, Kirby! Au revoir, Luigi! Au revoir, Wario! Et ne vous en faites pas! Je ferai de mon mieux pour accomplir mon but! Au revoir, Pen! Au revoir! Tu vas me manquer! Au revoir! Au revoir! Pen! Tu as été un bon ami pour moi. Aïe. Au revoir, mon gars. Au revoir, mon coco. Au revoir. C'est vraiment dur de se séparer avec lui. C'est comme si on enlevait une bonne chantilly. Oui. Bon. Mais en tout cas, Pen ne veut pas qu'on soit malheureux. On veut qu'on reste unis. Et qu'on reste fort. Tu as raison, Marisson. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour continuer la route? Vous avez raison. On va prendre cet chemin. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire, Pen? Je sais. Je me suis séparé de mes amis. Mais ils vont honnêtement beaucoup me manquer. Qui sait, on se reverra peut-être un jour ou l'autre. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Tu viens de faire ton premier pas vers le monde Delta. Oui. Quoi, ça te fait pas d'effet? Honnêtement, bah si, quand même, dans le fond, mais... Je peux pas dire en mode, ouah, super, joyeux, à la façon bisounours, par-ci, par-là, mais... Ça me fait vraiment bizarre, ça me fait franchement de drôles d'effets. Je peux te comprendre, mon ami. Bon. Dans cette route, là où ça va partir... Tu auras ton propre départ, ton propre aventure, et surtout tu feras d'autres rencontres. Mais ne t'attends pas à ce qu'on te fasse ce cadeau, hein. Je suis parfaitement conscient, t'en fais pas. Bien. On y va. Au revoir la région. Je vais prendre une nouvelle départ dans le monde Delta. Que c'est que ça? Je sais pas,
Mais apparemment, on m'a dit que c'est une portail qui va nous mener dans une autre région. Oh, la région Unis? Non, la région Pénis. Non. Vous êtes tous que des imbéciles. J'ai entendu leur conversation. Ça nous mène à la région Delta. Et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais trouver une autre solution pour me venger cette peste qui a osé voler mon nom. Mon nom. Mais la peste qui a volé ton nom, n'est pas dans la région Delta. Je sais, mais je trouverai un autre arrangement pour me venger. À moi la région Delta. Oh, maman, je sais pas quoi faire, donc je vais dans la région Delta. Parce que... Oui. Moi aussi, j'ai pas d'argument. J'y vais dans la région Delta.